Bonjour tout le monde, ici c'est Ruizing123 pour une nouvelle vidéo. Bon, je tiens à vous dire que cette vidéo elle tournera sur. Enfin, je vais essayer de la passer sur Code QG. Et c'est une vidéo qui se déroule dans le mode élimination confirmée avec une arme très appréciée par les joueurs de ce magnifique jeu qu'on peut voir. Black Ops 2. Que fait pas rager beaucoup de monde, enfin si, il fait rager beaucoup de monde quand même. Même le mec le plus calme au monde, il peut rager sur ce jeu, vous le savez bien Élimination refusée. Pas besoin de vous dire en fait. Bon, alors on passe à la présentation de la classe et de l'arme. L'arme c'est le MSMC. Avec un silencieux chargeur rapide et une belle camouflage en or. Et oui, je me suis quand même cassé la tête à passer la camouflage en or. Parce que c'est un peu compliqué, enfin, moi je trouve que c'est un peu compliqué de jouer sans atout et sans rien dans une arme comme ça ou dans une autre arme. Mais bon, après, chacun leur avis. Comme atout, premier atout, j'ai fantôme et détermination. Alors, fantôme, comme ça vous êtes protégé des drones ennemis et comme ça il n'y a pas de problème. Personne vient vous faire chier si vous aimez camper ou quoi que ce soit. Bon, là, comme vous avez vu en début de vidéo, je campe un peu. C'est vrai, mais c'est pas trop mon style de camper. J'aime pas trop camper. Et détermination, bah, ça sert à voir les score streaks plus rapidement. Au lieu de faire 1000 points pour avoir un score streak, bah, du coup vous faites 900. Je crois que c'est comme ça que c'est que de 100 points que ça baisse. Enfin, après vous me dites par commentaire, comme ça moi aussi j'aurai les bonnes informations si je vous dis. De la merde. À tous deux, j'utilise robustesse. Ça vous rend plus fort, c'est-à-dire que tout ce que vous, enfin dès que vous faites tirer dessus, votre arme elle ne monte pas et vous continuez à tirer sur votre ennemi si vous êtes en face de lui. Vous savez comment ça marche. À tous trois. Dextérité et masque toxique, pardon. Alors, dextérité sert à viser plus rapidement. Je vous dis, sert à viser plus rapidement. Ça sert que à ça. Si vous voulez jouer, enfin courir et viser plus rapidement, ce sera un autre atout. Alors. Et après, masque toxique, ça sert à contrer les paralysantes, flash, les flashs et les charges électriques. Pour moi, c'est un bon, enfin, c'est un bon atout. Je trouve que voilà, tout le monde aime jouer avec les charges électriques. Comme vous savez, bah, les campeurs par exemple, ils aiment bien jouer avec les charges électriques. Charges électriques et Betty à côté, c'est leur truc préféré. Du coup, j'utilise masque tactique. Et comme ça, pas de problème. Dès que j'entends la Betty, je peux me baisser. Je ne suis pas électrocuté. Comme ça, pas de problème. Si vous aimez pas aussi les charges électriques, bah je vous conseille, c'est un bon atout et tout ira mieux, votre jeu il sera fluide, même avec les charges électriques qu'ils mettent, ils peuvent mettre 50 à la suite, que ça vous fera rien. Alors, les score streaks, comme vous avez vu, déjà j'ai déjà envoyé un robot terrestre, aéronef furtif et Loadstar, pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est le Reaper sur MW3. On peut dire. Enfin, il est beaucoup plus amélioré, je trouve. Il est bien dans Black Ops 2.
Je le trouve mieux. Alors, la présentation de l'arme et de ma classe, elle est terminée. Moi, je vais vous donner mon avis sur ce jeu, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti. Je crois que ça fait un mois, bientôt deux mois. Ouais, je crois. Et mon avis sur ce jeu, pour ceux qui ont reçu le jeu à Noël et qui ne savent pas encore comment s'y prendre et comment il va être, ou ceux qui ne l'ont pas encore et qui attendent Nouvel An ou devoir de la famille pour recevoir de l'argent, le jeu même, je vous dis qu'il y a encore beaucoup de bugs de connexion. Mais à part ça, et les compères, à part ça, moi je trouve qu'on peut bien s'amuser dans le jeu, bien faire des kills pour ceux qui aiment, qui savent bien jouer. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez toujours vous amuser, il y a toujours le mode zombie. Il est bien fait, même si moi, perso, j'aime pas trop les zombies. Black Ops, je sais que tout le monde aime à cause des zombies. Moi, perso, j'aime pas les zombies. Je suis désolé. Peut-être je vous proposerai des vidéos dans les zombies, mais c'est pas mon mode de jeu préféré. Après, je sais pas. Et vous, si vous aimez les zombies, à mon avis, ils sont bien faits. Même il y a des youtubeurs avant moi qui ont dit qu'ils étaient bien faits. Maintenant, les questions que j'ai à vous demander pour les abonnés, vous savez que ceux qui suivent mes vidéos, que j'ai essayé de faire une petite vidéo concours. Pas de chance pour moi puisqu'elle était complètement ratée, puisque j'ai fait une grande bêtise. Enfin, je devrais être bourré ce jour-là, je sais pas ce que j'avais, mais j'ai fait une grande bêtise. C'est-à-dire, j'ai fait la vidéo, j'annonce dans le titre que c'est une vidéo concours, mais le problème c'est que je mets la musique et après, à la fin de la vidéo, je parle. Et du coup, dès que vous entendez la musique, je suis certain que parfois vous vous intéressez pas et vous regardez pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà. C'était mal joué de ma part. Je l'admets, mais bon. Je vais essayer quand même de me rattraper et de faire une nouvelle vidéo pour un concours pour les abonnés. Sachant que dans la vidéo concours, je ne peux pas vous donner grand chose. Comme vous le savez, je ne suis pas partenaire, je peux pas vous donner tout ce que je peux faire. Et que je ferai avec un grand plaisir, c'est de vous faire des vidéos, des lives. Vous pouvez commenter avec moi, vous pouvez jouer avec moi, ça, il n'y a aucun souci avec moi ou la team. Il n'y a aucun problème, mais pour le moment, j'espère que ce sera bientôt que je pourrai vous offrir des bons cadeaux. Mais pour le moment, je ne pourrai pas vous offrir des grands cadeaux comme les grands youtubeurs. C'est pour ça que je tiens à vous dire ça. Maintenant, pour l'année 2013, je tiens à vous demander qu'est-ce que vous espérez de la chaîne et de moi, si vous aimez mon travail ou pas. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Vous pouvez me laisser ça sur Twitter, sur message privé, sur commentaire. Je réponds à tout et à toutes vos questions que vous me posez. Là j'ai un truc de moi, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo et j'espère aussi que chaque sujet va l'accepter puisque j'ai déjà essayé une fois dans un match de team et ils disent qu'ils n'acceptent pas les matchs de team. Je veux bien essayer celui-là. J'espère que vous allez aimer ma vidéo et que vous serez nombreux à la regarder. Je fais ça avec un grand plaisir pour vous. Et je peux vous dire que ça me prend des heures à faire les vidéos pour vous. Même si je suis pas un grand youtubeur, j'aime bien vous faire plaisir. Franchement, ne pas prendre la tête avec vous.
Et j'espère que vous commentez bien mes vidéos. Moi, tout ce que je veux, c'est ça. Et parler avec vous. Maintenant, je vous laisse. Une bonne année. Bye tout le monde. Ciao.